Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi parce que les autres partis progressent que le PDC perd aujourd'hui ? Alors ça, c'est le fait émergent de cette journée électorale. C'est qu'il y a deux forces politiques en Valais qui sont nouvelles maintenant, qui ont vraiment marqué le terrain. C'est les Verts et l'UDC qui aujourd'hui, entre 16 et 20% de l'électorat, montrent que c'est une composante politique avec qui il faudra tenir et composer dans le futur. Ce qui veut dire que dans les années à venir, ce sera de plus en plus dur de rester le parti majoritaire ? Je pense, ça dépend aussi de l'attitude des élus dans les différents partis. Souvent, on voit que c'est une question de personnalité. Les gens, maintenant, sont peut-être plus aussi inféodés à un parti qu'auparavant. Ils avancent, je dirais pas au gré du vent, mais au gré des personnalités. Et c'est à nous à faire en sorte que PDC-VR de dégager ces personnalités, et nous les avons.